Youhou, je suis là. Non, non, pas, non. Oui, là, salut. Comme tout grand conquérant, j'ai moi-même conquéri ma montagne, ma colline. Ouais, ok, ma bosse. Et ça, j'en suis fier. Trop d'émotions. Je dois passer tellement pour un con. Mais personne ne fait gaffe à moi. Ça doit être le camouflage de l'arbre. Bon. Bref, revenons-en aux choses sérieuses, sans se péter la gueule. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur les modifications que j'ai pu apporter à ma Ninja 300. Donc on va juste rouler un petit peu ensemble. Je vais vous montrer un peu les modifications que j'ai faites dessus. Comme j'en avais parlé dans ma vidéo précédente où je vous présentais vraiment ma moto, elle avait quelques défauts, vous allez voir. J'ai réussi à résoudre en partie ces défauts. J'ai aussi fait quelques petites améliorations en termes de look. Mais le principal, c'est quand même plutôt amélioration de la conduite et un peu protection. D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas le bruit qu'elle fait, ma moto fait ce bruit là. Avec une grosse accélération. Avec mon nouveau pot d'échappement, vous allez voir, c'est plus la même. Parce que ça fait maintenant ce bruit-là. Ok, allez, c'est parti. Oh non, attendez, on va faire ça. On va faire ça autrement, on va faire ça autrement. Parce que le garçon, il a pris avec un petit micro et une caméra complètement dégueulasse qu'on va gentiment essayer d'accrocher à cet endroit-là. Ça tient. Oh là là, c'est rasé au sol. Parce que le but, c'était quand même de vous faire écouter un petit peu le pot d'échappement. Donc maintenant, est-ce que je perds ma GoPro? C'est possible. Ouh, ce petit sonnet là. Je peux vous dire que ça change par rapport à l'origine. Hein. Ça a l'air de tenir. Il est toujours là le cheval ou il est déjà parti? J'espère que le cheval est parti. Je suis un vélo qui passe. Ok, c'est bon, je peux recommencer à mettre un peu de gaz. C'est un des passages de cheval, ça n'a pas l'air très français ce que je dis, mais bref. Le plus smooth que j'ai pu. J'ai eu le temps d'accélérer, j'ai pu me mettre en roue libre. J'ai toujours ma GoPro avec moi. C'est pico bello. Pour commencer, j'avais souci d'un guidonnage qui était trop présent. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je voulais mettre un coup de gaz et vite relâcher les mains, ça guidonnait. Et là, ça ne guidonne. Et pour ça, mon garagiste m'a mis cet amortisseur de direction. Ça fait un look très sportif. Le problème numéro 1 sur cette moto, c'est que parfois t'as envie de vite de lâcher les mains. Une moto qui n'a pas de régulateur de vitesse et qui a quand même un frein moteur plutôt présent, qu'est-ce que t'es obligé de faire? T'es obligé de donner des gaz. En donnant ces 10 gaz, tu vas faire que en fait ça va alléger le train avant. Et vu que le guidon de base est très léger à tourner, et ben en fait tu vas lâcher et ça va tout de suite commencer à guidonner. Et tu vas te faire une frayeur qui est simplement débile. Je vais vite m'arrêter là. Donc au vu d'améliorer ça, j'ai décidé de mettre ce petit gadget. C'est simplement un gadget où tu peux tourner la manivelle ici pour le régler plus ou moins. J'ai une problématique maintenant qui est, voilà, il faut prendre l'habitude que d'un coup, ben, c'est beaucoup plus lourd. Du moment où je me serai habitué, on sera sur quelque chose, je pense, très bien. On est à 100% dans de la théorie, hein, 100%. Mais je pense que ma problématique vient du fait que, bah comme je vous l'avais déjà montré, alors voilà, le moteur il s'arrête environ ici. T'as encore le radiateur. Waouh, les petits fils électriques là qui dépassent, c'est immonde. On peut pas les cacher un peu. Voilà, maintenant j'ai une moto toute belle. Donc on a cette problématique, ce qui veut dire que le train avant, qui est en plus une roue plutôt fine, le train avant est très allégé, je trouve. Et le gros du moteur, bah, il se trouve au centre. Donc c'est vrai que si tu accélères, le poids va faire comme ça, et ça va alléger la roue avant. Est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fort à parier que ça a un lien aussi avec ça. Si ce n'est, c'est ça la raison. Maintenant, mettons cet amortisseur de direction, et ben on se règle ce problème-là, tout simplement. Pour les autres petites modifications, ils m'ont mis une protection
protège carter. Je trouve que ça donne pas trop mal, c'est assez discret en fait. Donc ça c'est simplement de la protection. Et ensuite nous arrivons au plus beau, mon pot d'échappement, nouveau pot d'échappement. Donc c'est un Shark, et sur ce Shark, comme j'avais déjà mis sur ma ZX10R, j'ai fait mettre encore une protection de peau, parce que je trouve que, bon là ça coupe un peu le sticker, mais c'est pas moche. Et s'il venait à se passer quelque chose, il y a un truc qui prend avant le pot. Nous en arrivons au dernier bout, support de plaque court, qui amène encore un petit peu plus. Déjà, le support de base était court, tu vois, il était déjà très court par rapport à ce qui peut se faire. Mais donc voilà, vous avez les modifications. Maintenant, on va juste partir encore sur un petit... Hop, un petit neutre. Et là, ben voilà, le bruit, il est beaucoup plus ta-ta-ta-ta-ta-ta qu'avant. C'est logique. Mais qu'est-ce que ça donne bien, mon dieu! Qu'est-ce que ça donne bien! Et par contre, bah, dès que tu mets un peu de gaz... C'est abusé comme elle est bruyante. Fait maintenant 88 décibels. Donc c'est juste abusé. Et je profite par cette vidéo de m'excuser parce que j'ai un voisin qui a sa fenêtre à max 20 mètres en face de l'endroit où je parque mes motos, qui est très certainement retraité et qui vit sa vie la plus paisible, et qui se retrouve avec moi, le salaud d'en face, qui n'a pas pu se contenter de garder son petit pot d'origine très discret. Parce que là vraiment c'est le jour et la nuit en termes de discrétion, et ça me fait chier pour lui parce que je le connais même pas si bien que ça. C'est juste qu'une fois il était venu vers ma copine, peu en lui disant ouais je vous remercie parce que vous, je comprends que vous ayez besoin de, en tout cas en hiver, de faire chauffer le moteur un minimum avant de partir, mais je vous remercie de pas faire trop durer et tout. Mais tu sais, très sympa, très cordial, la meilleure façon de le faire. Parce que quand elle m'a dit ça, moi je me suis dit putain, j'ai envie que ce type ne soit pas dérangé. Et jusqu'à maintenant il avait de la chance parce que mes deux plus grosses motos qui faisaient un peu plus de bruit, bah théoriquement le matin pour partir travailler, je les prenais pas. Je prenais plutôt celle-là. Là, maintenant je pense que c'est la plus bruyante à l'arrêt quoi, donc... Ouais, big up à lui, je m'en excuse déjà et je promets de le faire le plus vite possible, de dégager le plus vite possible, parce que c'est vraiment, sa fenêtre, ah, c'est, elle est, pour ça elle est mal placée, elle est placée sur la rue quoi, donc c'est, voilà, big up à lui. Moi-même, en la roulant, j'ai un poil d'impression de réveiller les morts. Maintenant, si je me retrouve dans une situation où à chaque fois que je croise un flic, il m'arrête pour me contrôler, boah, ça va être chiant, même s'il est homologué, hein. J'ai les papiers, je suis en règle, ouais, ça me fera vite chier, donc à voir. Je sais qu'il peut y avoir des possibilités, alors après, je sais pas si ce pot s'y prête bien, mais de mettre un petit peu, se faire de la laine de fer, qui permet de diminuer un peu le bruit. Et je me dis, y a pas besoin qu'elle fasse beaucoup de bruit, juste une belle sonorité. Et là, pour moi, la sonorité s'est améliorée, donc j'aurai aucun souci à peut-être perdre un ou deux décibels. Puis j'espère que ça enregistre bien. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre maintenant vite ce que mon micro est en train d'enregistrer. Est-ce que oui ou non ça enregistre quelque chose de potent? Parce que je suis quand même à 70 km. Avec ça, ben, j'ai pu un peu vous dire un petit peu les petites modifications que j'ai pu faire là-dessus. Cette moto, j'espère que dans 5 ans, je l'ai toujours. Même si c'est pas la grosse, la puissante, la machin. C'est une moto que je vais continuer un peu à travailler pour essayer de vraiment lui donner the look que je veux. Parce que de toute façon, bah, moi je sais que je vais lui mettre des kills dans les dents. Et que donc elle va très vite plus vraiment avoir de valeur. À part le fait de la garder en bon état, de s'en occuper bien, je pourrais plus en tirer des sommes folles. Donc pourquoi pas essayer de l'utiliser jusqu'au bout, proprement. Sur ce, moi j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Vidéo un peu différente. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aide énormément. Ah, en plus, le pot, il fait des petits retours. Bon bref, allez, ciao !